for a lot of us, we don't have this kind of community around conservation and the environment at home. To be surrounded by so many passionate, caring, kind, considerate youth from across this great, beautiful nation, to have them share their experiences, to share their passion, their fire, their drive, to feed off of one another and support one another through this endeavor has been amazing. Arrivée ici, j'étais un peu intimidée d'être immersée dans un grand groupe de gens d'un peu partout, d'inconnus, bref. À travers les 10 jours, j'ai pu réaliser que, wow, il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont en train de faire des projets excellents, extraordinaires à travers le Canada. When I was up in the north by myself, it was very hard. You're by yourself, you're isolated. But now I know everyone and we all have form this amazing friendship, so now I know it'll be easier to reach out to them and partner up with them for some service projects. Ça me fait réaliser que si la nature humaine veut vraiment adresser les problèmes, les défis environnementaux qu'on fait face. Ça va vraiment dépendre sur justement des amitiés, des relations, une collaboration avec les gens, ce qui est cette qualité de relation. L'océan, c'est grand, c'est vague, c'est même des fois inconnu ou méconnu. Ici, une chose qu'on a appris ici, je pense, là, c'est que l'océan est partout. On n'est pas obligé d'être sur l'eau pour voir l'océan. S'il y a une chose que je ramène, c'est l'amour pour l'océan. I felt a kind of renewed sense of responsibility, not just to protecting the land and the water, but to each of these new individuals who I've met. You know, it's a weight on my shoulders, but it's also an honor to carry it. It's something that adds meaning to my life.